présentation de l'Ellipta. L'Ellipta est un inhalateur à poudre, ce qui veut dire que le médicament se trouve sous forme de poudre dans l'inhalateur. Cet inhalateur ne nécessite pas d'accessoires. Utilisez l'Ellipta de façon correcte. Préparation de l'inhalateur. Ouvrez l'inhalateur jusqu'au clic. Au clic, le médicament est chargé dans l'appareil. Le compteur de dose indique une dose en moins. Maintenez l'inhalateur verticalement afin d'éviter que le médicament ne s'en échappe. Technique d'inhalation. Tenez-vous bien droit. Gardez l'inhalateur éloigné de votre bouche et expirez lentement et complètement. Attention, ne soufflez pas dans l'inhalateur. Portez l'Ellipta à votre bouche, placez l'embout buccal entre vos dents et refermez vos lèvres. Inclinez légèrement votre tête en arrière et inspirez rapidement et profondément. Retirez l'inhalateur de votre bouche, fermez votre bouche et retenez votre respiration durant 10 secondes. Éloignez l'inhalateur de votre bouche et expirez lentement. Fermez l'inhalateur en fermant tout en un mouvement fluide. Soins après inhalation. Rincez-vous la bouche avec de l'eau en gargarisant. N'avalez pas l'eau, mais recrachez-la. Information supplémentaire importante. La grille d'aération. Ne placez pas vos doigts sur la grille d'aération. Le compteur de doses. S'il ne reste que 9 doses dans l'inhalateur, une petite ligne rouge apparaîtra dans la fenêtre. Lorsque la fenêtre est complètement rouge, l'inhalateur est vide. Demandez conseil à votre médecin traitant, votre spécialiste ou votre pharmacien.